Okay, hello dear friends. Let's have a cup of tea and this beautiful teapot. Let me choose. What do we have? Jasmine d'hiver, jasmine. St. Petersburg. I think we have tried St. Petersburg. And this one is BB Detox. I don't like anything detox. I'm clean enough. No. I like to drink tea that does not mention its medical effect. I feel that I drink tea because I like tea, not because of like it's something that is added to it. Of course, there are people who like it because there is added value. Fair enough. We are all correct, but my personal preference is we get something good because it's good by itself, and get something pure. The purity of something is more important than its side effect. Do I make any sense here? Yeah. Having it said, I think it's fair enough for people to like it because it attracts you for a particular reason. Same as it attracts me for a particular reason. We are all correct. Okay. It takes around a couple of minutes when it is good. Don't over steeping it. Don't over brewing it. It will become very bitter with time if it's too much tea and too few, not enough water. I can put a piece of lemon in it, which I have from our backyard, but not in the mood to put anything extra. This should be good. Which teacup shall we use? I think I will use this most simple, easy, original one. In some hot water so that we can go out to read some book. I want to read some book with you. Okay, let's go out. A beautiful, not so much sunshine, but it's a very calm and peaceful day today. Look at our window. Don't you feel good? The flower and everything. This is a New Year's gift from my friends. It always touched me. It always touches me how nice kids are. Okay, here I come to our winter backyard, and let's do some reading here. It's so quiet and peaceful. I love of humble small home. Okay, before reading the book, I would like to share with you this beautiful thing.
This is a gift from my friend. Yesterday, we had a party at our home. It's kind of a dinner party, and we met with our friends from 20 years ago. And our friend that we came to US first, and it's a bunch of French friends. And 20 years ago, at the booming of .com, at the boom of .com, we came to Silicon Valley and looking for our dream. And then some left back to France and found a job there. And there are another couple that came back here and starting work at the company, started in US and then worked in the French office and then came back to the US office again. And there are friends who came to US and started company and then went back and went to France, to Europe, to London, to different places, and started their own company and came back. And just our old friends. And we came here, not célibataire, single or newly married, and without kids, we had a party, we had a good time, we had our dream to make a good living in this piece of promised land. And 20 years later, we look back. It's fascinating to see our life has changed so much, or actually does not change any at all. We still look the same. I had two boys, 18 years old, 15 years old. Another couple had three kids. Another couple has two kids. Another couple has two boys, 17 and 14. Anyway, all these things, it's just fascinating to look back and revive our youth dream. Interesting. So one of the friend offered me some of her homemade cookie. I think she went to Japan, and this box is from Japan or not, I do not know. But anyway, such a beautiful box. And she offered the homemade cookie together with this box. And the cookie was, because the cookie with a piece of paper, it's not good to stay long in the food, so I packaged some of this cookie from Bodan, and enjoy it. Isn't it beautiful? Look at this box. It's just fascinating to see how beautiful things can be. It's a perfect little box. Perfect matching. I cannot love more of this. And another friend asked where I buy these cookies. This cookie, au blé noir, or les galettes de Belle-Île. Belle-Île. They are from Bodan. I think, I don't think you can buy, you can buy in France, but not in other regions. This is a produit régional. I think produit régional. This is a regional products. So in France, in all the supermarket, Leclerc, Auchan, or Intermarché, or Auchan, or Casino, or Leclerc, or Carrefour. In all these supermarkets, there is a section
that is selling the local products, and this is from the local products. This one I bought in Bodan, so it's local product from Bodan. If you go to different district, I don't know, Val de Loire, they must have different kind of products. And if you go to Bourges, will be different kind of product. Poitiers, yeah, the product Poitiers, and Savoir must be fromage or something. Anyway, this one I bought in France in supermarket, any supermarket in a big enough supermarket in Bodan. If you want to buy it, if you want to know where it is bought, it is from there. And I have brought back something, but it's not easy to carry it back. And the best thing that you travel there. If you like, I can share one or two pieces when you make an order or something. But otherwise, you know what I am saying. I want to share with you the good things, but it's kind of beyond my ability. This is not my business to promote it. Anyway, so in France, I have one thing that really stuck to me and I want to do, that is learning French. Learning French. So here I want to read some French books. I know some of you might like it to listen to me broken French. I think it's more entertaining, plus amusant de écouter quelqu'un qui parle français mauvais. Pas parfaitement. Aladdin et la lampe merveilleuse. Quand Yamakan, il était une fois dans une ville. Can we see it? I think we can see it. I feel you can see it. Okay, should be good. Bit higher. Everything is inside? Yes. Quand Yamakan, il était une fois dans une ville de la lointaine Arabie, un pauvre d'ailleurs nommé Mustapha, son jeune fils de 13 ans, Aladdin refusait de travailler et passait son temps dans les rues avec d'autres garnements de son âge. Son père avait voulu lui apprendre son métier, mais en vain. À peine se retournait-il que Galatin partait jouer avec ses camarades. Fatigué de ses peines, le tailleur tomba malade et mourut. La mère d'Aladdin vendit l'atelier paternel et se mit à filer le coton pour gagner de quoi subsister. Aladdin n'en continuera pas loin à vivre dans l'insouciant et la repasse. Il
vagabonda ainsi jusqu'à l'âge de 15 ans, lorsqu'un jour il croisa le chemin d'un étrange personnage. C'était par une belle matinée, Aladdin jouait avec d'autres enfants lorsqu'un étranger passa et l'observa avec insistance. Cet homme était un magicien très puissant venu du Maghreb. Guy reconnut en Aladdin celui qu'il cherchait depuis des années. Après avoir enquêté sur sa famille, il s'adressa au jeune garçon en ces termes. Dis-moi, n'es-tu pas le fils de Mustapha le tailleur ? C'est juste, répondit Aladdin, mais mon père est mort depuis 2 ans déjà. Ah, mon fils, que me dis-tu là ? Répliqua l'étranger en tremblant d'émotion. Mon frère mort, alors que je viens à sa rencontre après un si long voyage. Il se mit à embrasser Aladdin en le baignant de ses larmes. Il lui répétait qu'il était son oncle. Puis il contempla le jeune garçon et ajouta : ma seule consolation désormais, c'est toi. Un homme n'est pas mort s'il a des descendants. Un mort n'est pas mort s'il a des descendants. Dis-moi, où habitez-vous, toi et ta mère ? Lui demanda-t-il en lui glissant 10 pièces d'or dans la main. Aladdin, ravi de cette aubaine, renseigna aussitôt l'étranger qui promit de leur prendre visite le lendemain. Puis, le jeune garçon courut porter l'or et la bonne nouvelle à sa maman. Elle fut bien surprise d'apprendre l'existence de cet frère de son mari dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais Aladdin était si enthousiaste qu'elle se laissa convaincre de l'inviter. Le lendemain, le magicien se trouva devant la porte à l'heure dite, chargé de vin et de fruits de toutes sortes. Lors du dîner,
la voix pleine de sanglots, il évoqua le souvenir de son frère. La mère d'Alatin fut touchée par ces témoignages. En se tournant vers Aladdin, le mage sourd poursuivit: et toi, chère neuve, que fais-tu de tes journées? Cette question embarrassa fort le garnement, qui baissa la tête sans rien dire. Aladdin est un fignant que passe son temps à vagabonder. Lorsqu'a expliqua sa mère, son père n'a rien pu lui apprendre de son métier, car il n'en fait qu'à sa tête. Il vit comme un insouciant, alors que je muse la santé à filer du coton pour nous nourrir. Un jour, il trouvera porte close et devra chercher son pain ailleurs. Le magicien fonça les sourcils et dit: mon œuvre, je suis bien fâché d'entendre cela. Il faut songer à gagner ta vie. Si le métier de ton père ne te convient pas, il y a toutes sortes d'autres métiers. Réfléchis lequel te plairait. Aladdin resta muet, car il ne souhaitait rien apprendre. Ne voudrais-tu pas devenir marchand dans une boutique de riches étouffés? Proposa alors le mage. Je pourrais établir dans ces métiers et tu vivrais honorablement avec ta mère. Cette œuvre flatta Aladdin. C'était le seul métier qu'il pourrait le séduire, car il admirait les riches marchands et leurs somptueuses odeurs. Il accepta avec joie: dans ces cas, je reviendrai demain pour te vêtir richement et proprement, et j'irai
de présenter aux marchands de la ville. Le lendemain, le magicien emmena Aladdin au hammam pour qu'il soit lavé, massé et parfumé. Puis il lui offrit robe de soie, turban précieux, ceinture et bottes de cuir luisant. Il mena ensuite dans les souks pour lui apprendre les affaires et le présenter au plus riche marchand. Quand il le raccompagna, il lui promit de revenir le lendemain pour les mener se promener dans les plus beaux jardins à l'extérieur de la ville. Le jour suivant, Aladdin, qui n'avait jamais franchi les remparts, fut émerveillé par les palais et les jardins qu'il vit. Mais après des heures de marche, il se lassa. « Mon oncle, il n'y a plus que la montagne aride devant nous. Pourquoi ne rentrons-nous pas ? Je suis fatigué. Mon fils, courage, tu ne regretteras pas ta peine. » Quand tu verras, c'est ce que je vais te dévoiler. Le chemin, il l'encouragea. À nouveau jusqu'à ce qu'il parvienne à un vallon désert. Là, le magicien alluma un feu dans lequel il jeta une pincée d'encens. Et en prononçant des paroles magiques, aussitôt le sol se mit à trembler. Le sol se mit à trembler. Les rochers se fendirent et un trou apparut à leurs pieds. Aladdin, tremblait de tout son corps. Soudain, un terrible gifle le plaqua au sol et lui laissa un goût de sang dans la bouche. Le magicien le regarda alors avec douceur. Mon fils, j'ai dû te frapper, mais c'est pour ton bien. Tu voulais fuir si près du but. Un trésor immense, des
destiné, il suffit que tu soulèves la plaque en prononçant le nom de ton père, plus celui de ton grand-mère, plus de ton grand-père. Aladdin obéit et souleva la plaque sans effort grâce à ses paroles. Je suis Aladdin, fils du tailleur Mustapha, fils du tailleur Ali. Maintenant, reprit le mage, descend les marches obscures, traverse le jardin sans rien prendre, ni toucher si tu ne veux pas mourir. Trouve la lampe, éteins-la et rapporte-la moi. Au retour, tu pourras sucer ces fruits de si te font envie. Garde au doigt cette manœuvre qui te préservera en cas de malheur. Aladdin descendit les escaliers, traversa un jardin éblouissant aux fruits scintillants de toutes les couleurs. Il évita de frôler les jarres remplies d'or et d'argent. Enfin, il trouva la lampe qu'il mit dans sa ceinture. Au retour, il cueillit les fruits qu'il crut être des boules de verre colorées. Il en fourra dans sa ceinture, sa chemise et ses bottes tant et si bien qu'à l'entrée du souterrain, il se trouva trop chargé pour remonter tout seul. « Mon oncle, cria-t-il, donnez-moi la main pour m'aider à sortir. Donnez-moi d'abord la lampe, répliqua le magicien. L'enfant était si encombré par les pierres. L'enfant était si encombré par les pierreries et la lampe qui refusa. Alors le magicien entra dans une fureur atroce et vociféra: fils de chien bâtard,
qui osait me désobéir pour la peine, tu mourras ici. Puis il prononça quelques paroles magiques et le trou se referma. Il n'avait d'ailleurs jamais eu intention de laisser Aladdin sortir vivant. Dans sa colère, il perdit la lampe qu'il cherchait depuis si longtemps. Brusquement enfermé dans le noir, le pauvre Aladdin voulut retourner dans le jardin, mais la porte était close. Il était enterré vivant. Il cria et pleura de désespoir pendant une journée sans résultat. Bus recommandant son âme à Allah, il joignit les mains pour prier. C'est alors que, sans le vouloir, il frotta à Manon qui lui avait donné le magicien. Aussitôt surgit une immense créature dont la tête touchait le plafond. C'était une génie qui lui dit: je suis le génie de l'anneau, ordonne. J'agirai aussitôt. Aladdin resta un instant muet de frayeur. Puis il demanda au génie de le sortir de ses souterrains. La terre se fendit à nouveau. Il se retrouva presque instantanément là où le magicien l'avait laissé. Reprenne le chemin de la ville. Il se traîne jusque chez sa mère où il s'évanouit de faiblesse. Elle se rassasia et lui fit reprendre des forces. Puis il sombra dans un profond sommeil. À son réveil, il raconta sa terrible aventure, sans oublier la griffe, les injures et les paroles magiques. Mon fils, éclata sa mère. Ce chien de magicien est d'un traiteur qui a abusé de ma peine.
et de ma confiance, de plus il fréquente les démons, ce qu'il a là, ce gala rebouvre, il mérite mille fois la mort. Mère, je suis prêt à travailler comme un homme désormais. Je ne te casserai plus de soucis. Donnez-moi à déjeuner pour que je puisse partir. Hélas, mon fils, je t'ai donné tout ce qu'il me restait. Attends que je vende du coton filé pour t'acheter quelque chose. Mère, vendons plutôt cette lampe. La mère alla chercher la lampe et entreprit de l'astiquer pour la rendre plus bruyant. À peine eut-elle commencé à frotter qu'apparut une créature énorme, monstrueusement laide. Le génie s'inclina et dit: je suis ton humble serviteur, commande et j'agirai sur l'heure. La pauvre femme s'évanouit de frayeur, mais Aladdin qui n'était pas à son premier génie ordonna à la créature de lui apporter un repas. Le génie disparut et revint en un clin d'œil, portant sur sa tête dosa plat de chercher les plus délicieux. Les gobelets étaient d'argent et d'or massif. Dès qu'elle revint à elle, la mère d'Aladin en fut émerveillée. Les jours suivants, chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, Aladdin vendait un plat. Par la même occasion, le jeune homme se lia avec les meilleurs
marchand de souk, du souk, auprès desquels il s'instruit et se forma aux manières raffinées. C'est ainsi qu'il apprit que les fruits apportés du jardin souterrain n'étaient pas de boules de verre colorées, mais de joyaux inestimables, bleu saphir, rubis rouge, chatoin, Imeraoud vert intense, diamant des et d'autres pierres précieuses. Aladdin et sa mère étaient désormais immensément riches. Cependant, ils continuèrent à vivre modestement, tout en faisant l'aumône aux plus pauvres. Un matin, Aladdin se promenait en ville lorsqu'il entendit les jardins du sultan crier dans les rues par ordre du sultan. Rentrez tous chez vous et tenez porte close. La princesse Badroulboudour se rend au Hamon. Ceux qui oseront la regarder seront punis de mort. Aladdin ressentit aussi doux le désir irrépressible de voir le visage de la princesse. Il courut se cacher derrière la porte du hamon. Lorsque la jeune fille parut et retira son voile, ses jambes tremblèrent et son cœur chavira. Elle était d'une absolue beauté, son visage resplendissait comme une perle d'or à l'Orient, sa chevelure
Noir, c'est lèvres. Vermeil, vermeil, vermeil. Et toute la perfection de son être. Ravir la raison du jeune, la raison du jeune garçon, de retour à la maison, à la danse, laissa tomber sur le divan et resta longtemps muet. Sa mère le pressait de questions. Il finit par avouer qu'il était tombé amoureux de la fille du sultan. Ma mère, je veux l'épouser ou mourir. Sa mère le crut fou et fit tout pour le décourager. Lui qui n'était qu'un pauvre fils de tailleur. Aladdin ne voulut rien entendre. Devant tant d'insistance, elle finit par céder et alla en tremblant demander la main de la princesse. Elle se présenta au soudain en lui offrant un plat d'or où resplendissaient les joyeux éblouis par un présent qu'aucun loi de la terre n'aurait dû lui offrir. Le sultan consentit à marier sa fille au mystérieux prince Aladdin dans un délai de 3 mois. Aladdin et sa mère passaient leur temps en préparatif au complet de la joie. Cependant,